Alors, bonjour à tous, eh bien, je pensais vous faire une jolie vidéo de pêche et puis du coup ça a été un peu compliqué. Je suis arrivé sur site le samedi 3 juin, donc dans la journée sur le barrage de Villeray, sur un poste que j'ai trouvé cet hiver et que je voulais à tout prix essayer vu que le barrage est haut. Sauf que samedi soir, orage, dimanche, orage. Le barrage est monté au-dessus de sa cote normale. Il est monté. Du coup, je me suis mis à pêcher dans mes pieds. J'ai fait une carpe lundi ou mardi de 8 kg. Et avant-hier, un silure de 1m45. Mais c'était un peu le désert de Gobi. Le barrage montait, descendait, remontait. C'était un peu compliqué. Le temps s'est amélioré depuis, même si là on retourne sur du temps qui est relativement orageux. On est dimanche, donc on est le 11. La partie de pêche se finit demain et je viens de prendre un poisson d'un peu plus de 14 kg, très abîmé. Une miroir qui est très très abîmée. Il lui manque un bout de queue à l'arrière, je ne sais pas si elle s'est pas fait charcler par quelque chose, parce que ça ressemble pas à une petite coupure d'herbe dans les herbes ou quoi. Elle avait encore du lait, donc elle était encore en frais. J'espère qu'aujourd'hui, à demain, il y aura un poisson ou deux plus à vous montrer, mais vu comment ça se passe depuis le début, j'en doute un peu. Alors j'espère que la prochaine vidéo que je ferai, qui devrait être peut-être un peu meilleure, avec plus de poissons tout du moins. De toute manière, je finis cette session demain, je remonte à la maison, je recharge les batteries et on repart peut-être d'ici fin de semaine prochaine pour une autre session de 8-10 jours, on verra bien. Allez, à plus. Oh, il est parti. Mais il est parti. Putain, ça tape. Putain, ça tape. Ah non! Si. Ah si, c'est une charonne de cire. Putain! Chier! Mon Dieu!
T'es sûr? Ouais, pas très gros en plus. Putain, il m'a donné du mal son cul. Et puis pas que. Ah ouais, mais non, tu repars pas gros. Que dalle, hein. Que dalle, je te dis. Spoon, ça va, je te dérange pas? Bon ben voilà, un peu plus de 20 kg pour 1,45. Alors, je crois qu'il a été au moins aussi fatigué que moi par le combat. En 45, 20 kg et des brouettes, à peine plus de 20 kg quoi. Et là, il a du mal à s'en remettre, hein. Il est aussi fatigué que moi le pauvre. Et il m'a volé un hameçon cet enfoiré, il était piqué trop loin, j'ai préféré couper, il était pris dans les branchies, je voulais pas l'abîmer. On ne prend pas une vie quand c'est pas nécessaire. Un beau bébé quand même. Allez mon grand, casse-toi. Il s'est baissé, je sais pas si c'est qu'il s'est baissé dans le combat, ce qui est possible vu que je suis en plein milieu des herbiers, ou si c'est blessé par le frais. On va bien savoir, mais bon, ça fait un beau bestiaux quand même. Putain, elle m'a embarqué les 4 cannes. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Elle est là. Un réveil du matin impeccable. L'autre, elle est partie sur sa gauche. Elle m'a démarré la canne de droite, la canne la plus à droite. Elle m'a embarqué les 4 cannes. Le temps que je sorte, je ne savais même plus quelle canne était prise. Elle est où? Elle est là. Oh, elle a l'air jolie. Oh, elle a l'air jolie. Elle a l'air d'être belle. Ah, puis elle va aller chercher les herbes. Allez, ma belle. Viens me voir dans le pré. Oh putain, c'est pas une commune. Allez, viens me voir d'entrer, ma belle. Débarrasse-moi déjà de ces herbes là que j'y voyais un peu plus clair. Allez. Putain, elle tire. Elle est énervée. Oh. Passera pas sous le bateau, hein. Et juste dessous. Oh oui, elle est jolie. Ah, elle ne veut pas encore. Elle veut pas encore. On va allonger la pisette. Allez. Ah,
Ah. Allez, je peux voir. Putain, ce bateau qui tourne là aussi. La garce. Elle y est. Oui, elle y est. Oui. Oui, elle y est. Où elle y est. Mon Dieu. Elle a été abîmée par le frais. Un coup comme ça du matin, ouais, ouais, ça y est. Ah, trop, pas si grosse que ça, apparemment. Ouais, c'est grosse, mais. Ah, ah, bah voilà qui est mieux là. Ah, bah voilà qui est mieux là. Elle va l'escalier au repos.